Hey, salut tout le monde. Donc on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour un haul de ma dernière commande de chez Beauté Privée. Alors avant de commencer la vidéo et tout ça, je vais vous mettre un lien juste là. Bref, je vais vous mettre un lien qui vous fait gagner dès votre inscription 5€ de mon achat valable sur votre première commande. Donc si jamais vous connaissez Beauté Privée ou que même vous ne connaissez pas, hein, je vous invite à cliquer sur ce lien et vous gagnerez ce bon d'achat. Et le lien sera également en barre d'infos si jamais vous avez loupé. Enfin bref, il sera en barre d'infos. De toute façon, déroulez toujours la barre d'infos parce que c'est là que vous trouverez les liens pour me suivre sur Instagram, Twitter... tous les autres, mon blog, tout ça. Enfin voilà, vous trouverez tout en barre d'infos et également ce lien que je mettrai maintenant à pratiquement à toutes mes vidéos pour toutes celles qui sont intéressées par Beauté Privée. Donc, Beauté Privée, c'est quoi? C'est un site internet qui vend plein de produits de beauté. Donc, du maquillage, des produits pour le corps, donc des soins, des gels douche, nanana, des produits pour, pour les cheveux, là. Par exemple, je sais pas, des produits pour les cheveux, des shampoings, des soins, nanana, de la laque, tout ça, et également des appareils comme des lisseurs, des sèche-cheveux, tout ça. Personnellement, moi, ça m'a étonné de voir ça, enfin voilà, je pensais pas voir ça dans le site, parce que je m'attendais à voir que des produits, mais bon après, voilà, hein, personnel, moi ça m'a étonné. Vous pouvez trouver des choses amincissantes, comme je sais pas, des collants amincissants, tout ça. Enfin, tout ce qui concerne la beauté, quoi. L'épilation, plein de choses, voilà. Et ce qui est vraiment bien sur ce site, ce qui m'a plu, voilà, ce qui m'a donné envie d'y aller, c'est qu'ils font tout ça à des prix vraiment très bas. Enfin, ils bradent les prix, mais voilà. Comme ils le disent, eux, ça va, ils font jusqu'à des moins 80% sur des produits. Donc, par exemple, moi, j'ai eu des produits, enfin, j'ai acheté des rouges à lèvres, voilà, qui coûtaient 7€ à l'origine, et sur le site, ils étaient à 2,50€. Donc, voilà, après, si vous tombez sur des marques vraiment, je sais pas s'ils font des marques vraiment haut de gamme, mais si vraiment, voilà, ils font des super marques, voilà, c'est intéressant, et voilà, ils font des prix vraiment... très intéressant, moi je trouve. Après voilà, je dis beaucoup voilà dans cette vidéo, non? ça a pas commencé que voilà, mais voilà, j'ai que ça en bouche. Et ce qu'il faut savoir également, c'est qu'ils font des ventes. En fait, ce que je veux dire en vente, c'est que par exemple ils prennent une marque, prendre Sephora par exemple, voilà, je sais pas s'ils font des prix sur ça, mais voilà, on s'en fout. Voilà, on prend Sephora, tout le monde connaît Sephora. Donc Sephora, ils vont vendre plein de produits de maquillage, de tout ce que vous voulez de chez Sephora. Mais vous aurez une date limite, par exemple du 23 juin au 30 juin, par exemple 1er juillet. Voilà, vous aurez, vous pourrez acheter, vous aurez une vente sur Sephora. Voilà. Donc, quand vous allez sur le site, il faut vraiment tomber sur les ventes intéressantes, sur ce qui vous plaît, sur... Voilà, vous n'aurez pas forcément tout de suite ce qui vous plaît, quoi. Peut-être que pendant 3 mois, vous n'aurez rien qui vous plaît, et peut-être que pendant un mois, il y a plein de choses qui... Voilà. Mais c'est aussi super intéressant parce que vous pouvez tester des produits que, voilà, moi par exemple, j'ai acheté une marque que je ne connaissais pas du tout, et que j'ai testé et que j'en suis super contente. D'ailleurs, je vais vous en parler dans cette vidéo, mais voilà, c'est génial pour ça. Donc voilà, ils braquent les prix, ça je l'ai dit, les ventes, tout ça, nanana. Ah oui, et les inscriptions. Alors par contre, c'est vrai que c'est un peu relou, hein, voilà, entre guillemets, c'est relou. C'est qu'il faut s'inscrire pour consulter le site. Vous êtes obligé. Donc, si vous avez juste envie de consulter le site pour voir quoi ça ressemble et tout, vous pouvez pas, faut s'inscrire. Donc c'est pour ça d'ailleurs que, comme je vous le redis, hein, oui, je vous fais gagner toujours et encore 5€ de bon d'achat valable sur votre première commande. Pour cela, ben,
je l'ai dit tout à l'heure, en barre d'infos, ou vous retournez même au début de la vidéo, j'ai mis le lien, et je pense que je le remettrai à la fin, et je mettrai ce lien dans toutes, je dis bien toutes mes vidéos. Donc voilà, si vous cherchez ce lien, il y sera partout à partir de ce haul. Et je crois qu'on va commencer, je vais commencer à vous montrer les produits parce que c'est un peu pour ça que vous êtes venus voir la vidéo, non? Donc comme je l'ai dit, Beauté Privée m'a fait découvrir des marques, enfin en l'occurrence là qu'une seule parce que j'ai acheté deux marques, mais il y en a une que je connaissais pas du tout et une que je connaissais déjà mais que je rêvais vraiment de la tester un jour. Et malheureusement les produits, je trouve personnellement qu'ils étaient un peu chers. Donc du coup, voilà, je me suis dit tant pis, jamais je les testerai jusqu'au jour où j'ai connu Beauté Privée. Je les ai vus sur le site et là j'ai fait, oh, j'en profite, ils sont là devant moi, les trucs que je rêvais de tester et tout ça. Bref, donc c'est la marque Essie, les vernis Essie, voilà, que tout le monde connaît je pense, voilà, mais moi je les trouve un peu chers. Donc j'en ai acheté 3. Donc je vais vous présenter celui-là, celui que j'ai en ce moment sur les ongles. Donc c'est le vernis After Sex. Il a un nom magnifique. Bref, le vernis After Sex. Oh, prononciation de l'anglais moi. Oh. Donc c'est un rouge un peu brillant que je trouve très très joli. Voilà, c'est le premier que j'ai testé sur mes ongles, sur toutes mes mains. Attention. Voilà. Sur tous mes doigts. Et voilà, j'en suis contente. Il me plaisait sur le site, il me plaisait dans le pot. Et en plus, enfin dans le... Je sais pas comment ça s'appelle. Un pot, un récipient, je sais pas. Bref, il me plaisait. Et sur moi, il me plaît, sur les ongles. Donc je suis contente de cet achat. Alors le prix, il est à la base à 23€. Non, pas celui-là. Donc le prix, il est à l'origine à 11,90€ et sur le site à 5,90€. Franchement, j'en suis super contente. Voilà, c'est... Ouais. Moi, je trouve que... Voilà, pour par rapport au prix initial, franchement, c'est pas trop mal. Pas trop mal. J'en suis contente de l'avoir acheté, voilà. J'ai la petite affaire et tout, je suis trop contente. Bref. Et donc j'ai acheté également 2 autres vernis, donc en tout ça fait 3 vernis. Bravo Marie, tu sais compter. 2 plus 1 égale 3. Wouhouhou, je suis trop forte. Bref. J'ai acheté donc la Pink Edition, celle-là. Donc un vernis rose qui s'appelle... Celui qui est en vert. Breed No Groom. Et le vernis beige, celui-là, qui s'appelle... Rose The Weight. Alors ne me jugez pas pour ma prononciation d'anglais, je suis une grosse merde en anglais, voilà, excusez-moi du mot mais vraiment, donc voilà, ne me demandez pas de prononcer des mots en anglais, voilà, je suis très nulle. Bref, donc j'ai acheté ces deux là parce que comme l'été arrive bientôt, je me suis dit un petit rose comme ça, sympa et tout, il est trop beau en plus sur les ongles, il fait magnifique, j'en suis tombée amoureuse on va dire, trop. Et voilà, donc comme j'avais pas de rose, j'ai du bleu, du vert, tout ça, mais j'ai pas de rose du tout. Et il fallait que j'en ai un. Donc j'en suis super contente de celui-là. Et le beige, voilà, qui est un classique, hein, que je n'avais pas non plus dans ma mini collection de vernis, on va dire. Parce que j'en ai pas beaucoup, mais bon, ça va s'agrandir, hein, parce que si je continue à commander sur le site, je sens que je vais en avoir pas mal. Bref, c'est un beige, voilà, que j'aime bien, qui est tout simple. Que je n'avais pas non plus. Et donc excusez-moi, ces deux-là coûtent la Pink Edition donc coûte à eux deux 23€ à la base et sur le site ils sont à 9,50€. Il y a quand même une bonne différence. Donc il y a quand même une bonne différence donc j'en suis contente. Donc voilà pour les vernis ici. Que dire de plus, voilà, je suis contente, j'ai pu tester la marque que je rêvais. La marque que Beauté Privée m'a fait découvrir et la marque Note Cosmétique. Donc c'est voilà, comme dans les ventes elle y était, j'ai fait bah je suis allée voir, je crois que c'était une des seules marques de maquillage quoi qu'il y avait, donc voilà, et que c'était pas trop cher, je me suis dit bah,
on va voir ce que c'est quoi. J'ai acheté dans cette marque une palette d'ombre à paupières. Donc celle-là, qui est à la base, qui était à 14€ et qui est à 5,90€ sur le site. Vraiment pas mal non plus. Donc c'est celle-là que je viens de vous montrer tout à l'heure, il y a 2 minutes quoi, 2 secondes, bref. Donc voilà, j'aime bien un peu le, comment c'est fait et tout, avec les petites couleurs là qui sont dessus, je trouve que c'est mignon. Donc j'ai pris, donc comme vous voyez, des couleurs assez simples, hein, assez nude, tout ça, parce que moi, j'aime pas trop les couleurs, enfin je mets pas trop de couleurs, comme les pinceaux qui tombent, génial, par terre, je vais chercher après. J'aime pas trop les couleurs comme le rose, tout ça, j'en mets très peu. Donc, j'aurais dû enlever l'autre, je suis un peu débile des fois. Donc voilà comment se présente la palette. Donc il y a des couleurs vraiment, vraiment nude, quoi. Des couleurs qui passent partout, des couleurs simples, des voilà. Du marron. Ce que je mets principalement, du marron. Et en plus, ça c'est carrément le genre de couleur que je mets le plus souvent possible. Donc, pas le plus souvent possible, que je mets le plus souvent, vers lesquels je me tourne directement. Bon, je vais peut-être ramasser les pinceaux qui sont tombés avant que je les écrase. Voilà. Les voilà. Ah, bah d'ailleurs, super. Bah, je crois que je vais devoir en nettoyer un. J'ai oublié de le nettoyer. Super génial. J'ai les mains toutes crades. Hein. Donc, c'est ça avec un côté pinceau mousse et un pinceau plat. Voilà. Donc, je m'en sers. Ils sont sympas, assez simples. Enfin, je m'en sers. Ils sont pas trop. Et j'ai acheté donc 3 rouges à lèvres. Voilà. Donc j'aime bien pareil le petit packaging comme ça, là, noir, tout simple. De toute façon, j'aime bien quand c'est simple. J'ai pas vu quand il y a des motifs et tout, c'est joli. Mais... voilà. Là, il est simple, très épuré, très simple avec marqué note. Je trouve ça assez sympa. Donc, alors le premier rouge à lèvres qui est la teinte 05 Satin. Silk. Donc satin, vous vous doutez, enfin je pense hein, que vous vous doutez, c'est voilà quelque chose d'assez clair. Voilà, c'est vraiment un rouge à lèvres assez clair. Je mets sur le bouchon. C'est un rouge à lèvres assez clair, voilà, nude, tout simple, passe partout. Je pense que le rouge à lèvres qu'il faut avoir. Voilà, dans sa gamme de rouge à lèvres, parce que voilà, c'est le genre de rouge à lèvres que vous mettez, je sais pas moi, quand vous avez envie de mettre du rouge à lèvres le matin, mais vous n'avez pas envie d'avoir quelque chose qui se voit ou quoi. Voilà, c'est le genre qu'on met. Celui, je pense, la pièce qu'il faut avoir dans son maquillage, enfin, de mon avis. Hein. Voilà. Ensuite, il y a la teinte 21, le Merlot, donc qui ressemble à cela, à cela. Donc c'est un, celui-là c'est un rouge. Alors il fait un peu rosé, orangé. Enfin c'est voilà, il fait pas rouge rouge. Voilà, de toute façon j'ai pas de rouge à lèvres. Je crois pas. J'ai pas. Je regarde pas parce que tous mes rouges à lèvres et tout sont là-bas. Enfin, tout mon maquillage est là-bas. C'est pour ça. Bref, peut-être un jour je vous montrerai mon rangement. Je sais pas. Une vidéo à prévoir. Donc c'est un rouge qui fait, donc c'est celui-là là, c'est un rouge un peu orangé, rose, enfin voilà. Je sais pas comment, sur la caméra on voit pas. Ouais, rouge à lèvres. C'est pas un rouge de tout. Foncé. Voilà, celui que j'ai testé, que j'ai essayé, que j'ai dit, oh, il est magnifique. Voilà, la teinte, donc c'est la teinte 23, le Shiny Raisin. Je comprends juste raisin là-dedans. Moi et mon niveau d'anglais, je comprends que dalle. Donc, qui est donc celui-là, voilà, peut-être vous montrer l'autre point, qui est donc celui-là, alors là franchement on voit pas trop, donc qui ressemble, voilà, à ça, bon là on voit, c'est bizarre, la caméra c'est chiant, on voit pas vraiment la différence, enfin, on voit pas vraiment ce que ça donne et tout, mais ça fait en fait, c'est celui d'ailleurs que j'ai sur les lèvres, c'est un fait un rose un peu, comment vous expliquer ça? Ah si, là vous voyez un peu mieux avec la lumière. Ça fait un peu un rose au fuchsia mais foncé. Enfin je sais pas comment vous expliquer. Ouais. Bref.
pire, voilà quoi, ça fait un rose fuchsia foncé, mais je l'adore, c'est le plus important. Voilà, j'en suis super contente de celui-là, franchement, je l'ai acheté, et voilà, il est trop beau. Donc, attendez, j'ai vu qu'avec la lumière, on voyait un peu mieux, donc voilà. Alors là, dessus, vous avez donc le nude, enfin, celui que j'appelle le nude, ouais, le clair, donc le satin, je sais pas quoi. Ensuite, en dessous, là, vous avez le... Ah, le merlot. Là, je sais pas, je retiens son nom. Il me fait rire. Et en dernier, vous avez le shiny weezing, là, ou je sais pas quoi. Qui est... Ah oui, et je vous ai pas dit, si, le prix des rouges à lèvres. Ils sont... Alors, à la base, ils sont à 7 euros chacun, enfin, à l'origine. Hein, et là, ils sont à 2,50 sur le site. Vraiment, c'est pas trop mal, je trouve... Voilà, bon après vous allez me dire c'est pas non plus voilà, c'est pas 15 euros de différence, mais voilà, quand vous... c'est quand même, ils braquent les prix, enfin c'est déjà pas mal quoi, je trouve, vous faites en quelque sorte quand même des petites affaires. Après voilà, parce qu'il y a aussi sur le site des produits qui sont à la base, il y a des parfums, donc des choses qui sont à la base, je sais pas, à 90 euros, à 100 euros, enfin très très cher, et que vous trouvez genre 100 euros, vous le trouvez à 80 ou 70 euros. Voilà, c'est sûr, c'est quand même un peu cher, mais franchement, quand vous voyez la différence de prix, je pense que la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ce petit haut vous aura plu. Et je suis magnifique, moi, avec mes trois petits traits, là, je vais sortir comme ça ce soir. Bref, donc, voilà, surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le lien beauté privée, je sais pas pourquoi je pointe là. N'oubliez pas de cliquer sur le lien beauté privée pour, je vous le rappelle, dès votre inscription, gagner 5 euros de bons d'achat valables sur votre première commande Twitter, et également de consulter mon blog. Tout se trouvera en barre d'infos, donc le lien pour beauté privée, mes réseaux sociaux, tout. Voilà, si vous avez des questions, commentez, partagez la vidéo si elle vous a plu, mettez un pouce vers le haut, ça fait super plaisir, et surtout, abonnez-vous. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.